des animaux. Mais pourquoi tu fous rien à l'école? Tu passes ton temps à faire des conneries, là. Hein? Je sais. Ton père et moi, on n'est pas contents. Non, mais mademoiselle préfère traîner toute la journée avec sa bande de dégénérés. Hein? C'est vrai, Sylvie, quoi? À fumer du hashish, à voler des mobilettes. Oh. C'est du propre, tiens. Vraiment, je te jure, hein? Et moi, je t'ai vu, je l'ai vu flirter avec le fils Roulon, je l'ai vu! Mais c'est pas une raison pour sécher les cours. Non, mais c'est vrai. Elle flirte en plus. C'est le bouquet, avec le fils Roulon, cette espèce de petit branlotin, là. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça, vraiment? Il va la foutre en cloque, voilà. J'espère que tu prends la pilule, hein? T'as vu? Mais qu'est-ce qu'il t'a fait? Il m'a déshabillé! Eh ben, dis, tu vas pas mou, hein? Et hop là! Le judo, ça me connaît, moi! Et hop là! Regarde-le! Le frimeur! Je parle pas au trou du cul de ton espèce, moi! Trou du cul toi-même! Espèce de tariba! T'arrêtes toi-même! Je vais prendre un sauciflard comme ça, je vais te le foutre dans la tronche, tu vas voir! Eh ben, viens! Viens. Regarde-le, cette tête de con. Si tu savais comme je te méprise. Tu me méprises? Les pousses, mes goûts, les alcoolos, moi j'en chie tous les matins. Et ça t'emmerde pas de me glavioter dessus? Vieux con. Réac. Je ne suis pas réac. Un beurre, oui. J'aime pas qu'on me crache dessus, c'est tout. Lâchez-moi. Mais lâchez-moi. Je veux monter sur le caillou. Il est incroyable. Il commence à me prendre la tête, hein. Qu'est-ce que tu fais là? Je vais monter sur le caillou. Germaine, tiens-toi, ça coupe de toi qui fait ce cinéma, là. Monter sur le caillou. Ah bah dis donc, vous avez vu mon père ce qu'il a fait, là? Tu me prends pour un imbécile ou quoi? Je suis sur le caillou, papa. Je te signale que je suis sur le caillou, papa. Bah non. Fais tes mouvements beaucoup plus rapidement. Oui, comme ça, voilà. Voilà, c'est mieux ça. Fais gaffe. Tu vas boire la tasse. Ça va pas, non? Mais j'ai froid, écoute. Allez, vas-y. Non, j'ai froid. Ah! Putain, si je t'attrape, toi. Attends voir, là. Hein? Où tu vas, là? Où tu vas? Mais c'est un scandale, on pratique plus l'art culinaire. Vas-y, chérie, raconte-leur la recette du dessert, celle que tu m'as fait l'autre soir. Vas-y, chérie, n'aie pas peur, raconte, vas-y. Écoute, d'abord, j'ai pris de la crème au chocolat. Vous allez voir. Dessus, je crois que j'ai rajouté de la moutarde. Et puis, après, j'ai rajouté un peu de saumon. Juste un peu de saumon. C'était bon. C'est dégueulasse de mélanger de la moutarde et du chocolat. T'es sûr? Ah ouais, je suis sûr, ouais. Et du saumon. Et c'est de qui, la recette? De lui. Mais j'avais dit de la confiture, pas de la moutarde. Évidemment, ça, c'est pas la même chose, quoi. T'en penses quoi, Germaine? Tu me fatigues. Même pas capable de te faire cuire un œuf, alors vraiment. Tu vois. Mais le café, c'est moi qui te le fais. Mais bravo, oui. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai bu? Je tiens plus debout, moi, je suis complètement pété. Oh la vache! Oh putain, qu'est-ce que c'est bon le goût que ça a, ce truc putain de merde! Papa, il paraît que t'as voté pour le Front National, mais papa, t'es complètement dingue, tu te rends pas compte de ce que tu as fait. Papa, t'as voté pour le Front National, papa. Si tu continues à m'emmerder, je te fous une paire de claques. Alors c'est ça ta réponse? Alors vous avez entendu, les gars, ils votent pour Le Pen. C'est vrai que tu votes pour Le Pen? Je n'ai pas à te répondre. C'est tout. Mais qu'est-ce que vont dire les voisins? Les voisins, ils ont pas intérêt à me faire chier. C'est compris? Mais enfin, papa, c'est pas de la faute de tous les Arabes. Il y a une bombe qui a pété dans le quartier. Enfin, il faut pas exagérer. Ah ouais? Alors c'est la faute à qui, alors? Au grand méchant loup, là. Oh merde! Et toi là, qu'est-ce que tu votes? Il doit voter à gauche, lui. Il vote à gauche, hein? Il vote à gauche, hein? Oui. Tu dois voter à gauche, toi. Il vote à gauche, c'est sûr, il vote à gauche, je suis là. C'est tes copains, les Arabes. Il y a plein de misère dans le monde, des gens qui crèvent la faim. Et nous, on fait quoi? On fabrique des bombes, mon pote, on fabrique des bombes. Alors l'islam, d'accord. Mais c'est l'abbé Pierre ou quoi, là? Mais enfin, il faut pas pousser quand même, tous les Arabes, ils sont pas mauvais, y'a qu'à regarder autour de nous. Eh ben moi, j'en vois pas. Eh ben moi non plus, j'en vois. Ils sont où, là? Les bons Arabes, ils sont où, les bons oui, Arabes sont où, hein? Vous devriez avoir honte de dire ça. Là, il a raison, le fiston. Avec toutes ces conneries, j'ai même plus quoi voter, moi. Moi, ce que j'aime, c'est les skinheads. Tu les reconnais comment? Ils ont le crâne rasé, connard. Et toi, qu'est-ce que t'as? Quoi? Qu'est-ce que t'as?
Moi, j'ai rien, c'est toi qui t'énerves, c'est tout. Sois un petit peu raciste, hein. Raciste. Vous êtes moi la bouche, alors. Et toi, tu les aimes, les noirs? Les quoi? Ouais, les noirs. Je les aime beaucoup à la sauce barbecue avec des olives. C'est vraiment moche. Regarde-moi le tissu que tu m'as foutu là. Quoi? T'as vraiment un goût de chiotte, ma petite, hein? Mais c'est pas ce que je t'ai demandé. Je t'ai jamais demandé ça. Mais écoute, je t'ai jamais demandé de m'acheter cette espèce de canapé là, affreux que tu me mettes devant ce tableau là qui est laid, qui est vraiment laid. Alors? Quoi? La déco est nulle. Ça, t'as raison, elle est nulle. Regarde-moi ces deux vases là. C'est nul, ça. J'en peux plus. J'en ai marre. Ils savent même pas ce qu'ils veulent. J'en ai marre. Regardez-le. Il se fout de ma gueule là, franchement. Je vous jamais, qu'est-ce qu'il a, mon tissu? Qu'est-ce qu'il a? Alors? Son tissu? Qu'est-ce qu'il a? Ouais, bah, mon tissu, hein? Mon tissu que j'ai payé! En plus! Non, franchement, qu'est-ce que tu penses des rideaux? Qu'est-ce que t'en penses? Tu l'as acheté où, ça? Chez Tati? Hein? Et passe-moi ce vase. Passe-moi ce vase. Passe-le-moi ce vase. Je te dis, me passe ce vase. Ou alors? Moi, je gratte, franchement, Qu'est-ce que t'en penses, toi? Maintenant, le v'là qui demande conseil à sa caquette. On aura tout vu. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Faux cul? Oui, faux cul. Est-ce que vous vous rendez compte que nous avons dépassé les 3 millions de chômeurs? Non, c'est pas vrai. Tous les impôts, on peut plus les payer. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi? Je pense comme toi, moi. Moi aussi, je veux pas payer. Et si on parlait des affaires? On sait bien qu'on peut pas tout dire. Ça nous empêche pas d'en avoir plein le cul, quand même. Ça vous plaît, ça? Tu parles, oui. Bah, vous qui êtes quand même quelqu'un de réfléchi, de sensé, qui pensez, qu'est-ce que vous pensez de la situation? Je suis pessimiste. Qu'est-ce que tu fais, là? Oui, on dit de se bouffer. Arrête, hein, ça suffit, hein. Et Eric? Tu crois que je t'ai pas vu? Ça tire. Il est pas là, vite. Vas-y, si ton mari nous voyait. Fais gaffe, on nous regarde là. Tu vois le type là? Ouais, allez-y. De quoi je me mêle? Allez-y. Oh, dis.